Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Tout d'abord, vous présenter toutes les excuses de la GSI du fait du report de cette conférence de presse qui a coïncidé avec un événement tragique dans ma famille. C'est l'occasion pour moi de remercier les uns et les autres, tous ceux qui ont contribué à ce moment douloureux de ma famille, tous ceux qui ont compati de près ou de loin, pour ce moment que nous vivons encore dans la douleur. Et je voudrais, par ce fait, dédier cette conférence de presse à la mémoire de notre chère regrettée Aïssatou Souma, ma grande sœur, ma mère, celle qui était aujourd'hui le pilier de la famille. Donc, ceci dit, aujourd'hui, je suis là, face à vous, prêt à répondre à toutes vos questions, mais je voudrais au préalable apporter certains éclaircissements. La première concerne la situation de la GSI aujourd'hui. Nous avons été à l'élection présidentielle, nous n'avons pas été retenus, nous avons fait une alliance qui n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, la GSI a repris son indépendance et elle s'inscrit en droite ligne de l'opposition. Il faudrait qu'il soit clair pour tous que la GSI est dans l'opposition, telle que je l'avais signifié au moment de ma présentation de vœux aux Guinéens. Donc nous espérons, j'ose espérer, que les questions porteront sur surtout la prospective sur l'avenir afin que nous puissions décliner ensemble la vision de vraiment la Guinée. Donc, avant de donner la parole aux uns et aux autres et me mettre à votre disposition, je voudrais, s'il vous plaît, ce n'est pas l'usage, mais vous demander d'accorder une minute de silence à la mémoire de notre regretté Aïssatou Souma, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, le géopolitique a changé. Nous allons aujourd'hui vers la mise en place des institutions suite à un président nouvellement élu. La GSI se devait de trouver un cadre de fonctionnement au sein de cette tumulte. C'est pourquoi je réitère ici, parce que nous sommes en Guinée, que la GSI est dans l'opposition. Maintenant, nous verrons dans les semaines à venir, dans les mois à venir, en quelle mesure nous pourrons apporter notre contribution à l'éducation nationale. Donc, je souhaiterais aller directement au vif du sujet et puis répondre à vos questions. Je suis à votre disposition. Monsieur le modérateur, vous avez la liste des intervenants. Messieurs, en tant que leader politique, en tant que président de GSI, aujourd'hui, il est 100 jours de grâce pour ça, enfin, comme vous savez. Mais quelle est votre vision politique de ces 100 jours? Face à ce délai que nous voulons de dépasser. Le préalable, c'est qu'en tant que Guinéen, je souhaiterais la réussite de l'action gouvernementale. Et en tant qu'homme politique, je souhaiterais, puisque je suis, j'ai vocation à la conquête du pouvoir, eh bien, si demain je dois diriger ce pays, que je trouve des acquis, que je trouve des actes posés. Donc, l'échec de ce gouvernement n'arrange personne. Ni les politiques que nous sommes, ni la population, ni les administrés. Mais aujourd'hui, ce qui ressort de ce bilan, c'est vraiment l'inquiétude. Nous ne sommes pas là pour dire que tout pourrait se régler en 3 mois, tout aurait dû être déjà fait. Non, je dis simplement que les 100 premiers jours permettent, c'est une indication, permettent de savoir, permettent de sous-peser, permettent d'avoir une indication de l'avenir proche ou lointain. Et quand je regarde, quand j'examine de très près, en tant que citoyen lambda, le bilan de ces 100 premiers jours, c'est l'inquiétude qui prédomine. Et en tant que politique, je suis très amer. On ne peut pas venir prendre un pouvoir sans au préalable avoir un projet pour ce pays. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce gouvernement navigue à vue. Nous nous rendons compte qu'il n'était pas prêt. Nous nous rendons compte aujourd'hui
qu'il ne sait même pas par quel bout prendre le problème du maire. Et je trouve que c'est dramatique. C'est pourquoi j'en appelle à l'autorité du président de la République ainsi que de son premier ministre d'arrêter les bonnes intentions, les vœux pieux et de se mettre au travail. Aujourd'hui, il a une obligation de résultat qui est très très loin de l'attente des Guinéens. Nous avons vu d'abord ce qui s'est passé dès le départ. Je crois que du moment où il a été confirmé par la Cour suprême, entre ce moment et celui de l'investiture, je crois que le président aurait déjà dû se mettre au travail, commencer à constituer son équipe de son côté et surtout proposer un premier ministre. Nous avons vu un président qui a nommé des ministres avant de nommer son premier ministre. Je crois que c'est un cas atypique, c'est un cas propre à la Guinée. Et nous avons ensuite vu un gouvernement sans structure, un gouvernement non homogène. C'est dramatique. C'est dramatique et ça m'attriste dans la mesure où, franchement, entre les promesses électorales et la réalité du terrain, nous nous sommes rendus compte que rien n'était programmé, rien n'était préparé. Et c'est vraiment regrettable, mais rien n'est perdu non plus, puisque ça ne fait que 100 jours, alors que c'est un quinquennat. J'ose espérer qu'il va rectifier le tir au plus vite, essayer de dégrossir ce gouvernement sans structure pléthorique dans un pays exemple. Je trouve qu'il est de sa responsabilité de donner l'exemple à partir du sommet. Une cinquantaine de ministres, je trouve que ce n'est pas la panacée et ce n'est pas non plus ce que nous attendions. Par rapport maintenant aux actes posés, je suis très amer, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas avoir pris le pouvoir en Guinée dans les conditions que nous savons et que 3 mois après, la population commence déjà à déchanter. Non, lorsqu'on prend le pouvoir, il y a ce qu'on appelle un programme minimum d'urgence, qui est le préalable d'un programme sectoriel. Et ce programme minimum d'urgence, on doit le caler, même si on ne le cale pas sur 3 mois, il faudrait que ce soit sur 12 ou 18 mois. Mais l'indicateur des 3 premiers mois pourrait augurer d'un succès à terme de cette politique. Ce n'est pas le cas. Nous avons un premier ministre qui a présenté, qui a fait son discours de politique générale, un discours sans être arrogant, que je traiterai un discours d'écolier. Nous avons eu un discours qui n'est pas chiffré, qui n'est pas daté. C'est quoi un discours de politique générale? Le premier ministre demande à ses ministres de lui dire ce qu'ils ont l'intention de faire. Leur feuille de route, avec budgétisé, avec des délais, avec une obligation de résultat. C'est ça un discours de politique générale. Ce n'est pas venir avec des intentions. Nous allons faire ci, nous allons faire cela. Les Guinéens sont fatigués d'entendre des promesses, d'entendre des vœux pieux. Et bien, je trouve regrettable que notre Premier ministre n'ait eu rien à proposer aux Guinéens qu'un discours insipide, sans relief et qui ne résout aucun problème. Donc ça, c'est ce qui me désole. Au jour d'aujourd'hui, nul ne sait où va la Guinée. Et c'est dramatique. Donc, les 100 premiers jours pour moi aujourd'hui, c'est un échec programmé. J'ose espérer qu'en tirant la sonnette d'alarme, ce gouvernement va se réveiller, va se mettre au travail, à commencer par le chef de l'État. Il ne sert à rien de faire des promesses électorales. Il suffit ensuite de les mettre en application. Et c'est ce qu'on n'a pas depuis que cette équipe est installée. Je suis très amer, très déçu, et j'ose espérer, comme je l'ai dit, que le tir sera rectifié, parce que sincèrement, après 3 mois, les Guinéens sont de plus en plus inquiets, et je ne souhaite pas un échec de l'action gouvernementale, dans la mesure où nous sommes tous Guinéens, et nous voulons vraiment voir nos populations sortir de leur torpeur, et en tant qu'homme politique, qui a vocation à la conquête du pouvoir, je souhaite demain, si je dois diriger ce pays, que je trouve des acquis afin de mettre en place ce qui a toujours manqué à ce pays, la continuité de l'État. Eh bien, je souhaiterais que ce gouvernement réussisse jusqu'à un certain point afin que le prochain Premier ministre ou le prochain président ait déjà
Réglin à vous. Je m'appelle Maggie Sow, journaliste reporter de la radio Nostalgie. Monsieur le Président, je voudrais savoir quelle est la position de la GSI par rapport à l'organisation des élections législatives qui, jusque-là, aucune date n'a été Il y a un mal dans ce pays et c'est ce qui nous a plombé le système durant cette élection présidentielle. La Guinée a fonctionné par consensus. Nous avons eu le président Dadis par consensus. Nous avons eu le président de la transition Sékouba Konaté par consensus. Le CNT, la CENI. C'est-à-dire que nous avons fonctionné par consensus alors que nous avons des textes. Nous avons des textes. Aujourd'hui, la Constitution dit que les élections législatives doivent avoir lieu 6 mois après la présidentielle. Et croyez-moi, en tout cas, pour ce qui est de la GSI, nous nous battrons, nous ferons pression sur ce gouvernement pour que ces élections aient lieu durant le premier semestre 2011. Il n'est pas question, comme on l'a entendu, qu'on nous parle du mois d'octobre ou qu'on nous parle du mois de décembre afin de basculer en 2012. Non, les élections législatives doivent se tenir d'ici le mois de juin et nous nous battrons pour ce faire. La communauté internationale avait fixé le délai à 3 mois, on ne l'entend plus. Eh bien, il faut que les Guinéens sachent que maintenant le problème est des Guinéo-Guinéens. Ce pays a besoin d'une assemblée. Vous avez tous vu, le CNT n'est pas représentatif de la population. Le CNT n'est même pas à la hauteur de la mission qui lui est louée, à savoir légiférer. C'est un fourre-tout qui va encore être une usine à gaz pire que la CENI. Eh bien, il faut que ces élections législatives soient organisées au plus tôt, parce que ce n'est pas parce qu'un président a été nouvellement élu qu'on doit se dire que le problème guinéen est réglé. Non, la transition n'est pas encore achevée. Cela fait 2 ans que nous sommes dans un cycle transitoire. Il faut l'achever. Et donc, il faut mettre en place les élections législatives communautaires. À partir de là, les institutions en place, on pourra dire la Guinée est passée à la Troisième République, est passée à autre chose. Donc, la transition n'est pas terminée. Il faut que le président de la République le sache. Il faut que vous le sachiez. Tant qu'on n'en aura pas fini avec toutes les échéances à venir, eh bien, nous serons toujours dans la transition du CND. Donc, ces élections, nous tenons absolument à ce qu'elles aient lieu d'ici le mois de juin. Et nous utiliserons tous les moyens de pression d'une façon pacifique, parce que nous sommes dans la légalité républicaine, pour que ces élections aient lieu dans les délais impartis. Il n'est pas question qu'on ait un deuxième tour, 4 mois après le premier tour, des élections législatives, 1 an après l'installation d'un président. Donc soyez sûr que nous nous battrons pour qu'elles aient lieu afin qu'on en finisse avec cette transition qui n'a que trop duré. Thierry Suleiman, tamtamguinée.com. Monsieur le Président de la GSI, le Président de la République vient d'effectuer une visite en France où vous connaissez bien. Avez-vous eu des échos des entretiens qu'il dit avoir eu là-bas et qui sembleraient être très intéressants pour la Guinée et pour son régime? Merci. J'ai dit que je n'étais pas là pour faire dresser un bilan ou pour critiquer systématiquement. Soyez sûr que la GSI applaudira les deux mains à chaque fois que le gouvernement réussira une action, à chaque fois que le président de la République posera des actes salutaires qui vont dans le sens de l'apaisement, dans le sens aussi de l'organisation des institutions. Mais aujourd'hui, ce gouvernement et notre président ne me donnent pas l'occasion de leur accorder de satisfaction. Les voyages que le président de la République sont en train de mettre en place ne sont pas d'actualité. Ce n'est pas l'urgence. Ce n'est pas ainsi qu'il pourrait franchement mettre en place son slogan de la campagne qui a été le changement. Pour moi, ces voyages n'étaient pas d'actualité. Et ces voyages n'apportent rien à la Guinée. Peut-être pour son honneur, pour son image, mais ça n'apporte rien à la Guinée. Le premier voyage que j'aurais souhaité voir faire le président, ça aurait été d'abord
la réconciliation de la Guinée. Tout le monde sait comment se sont passées ces élections. J'aurais préféré que le président aille dans le Fouta, qu'il aille voir mon frère pour leur dire que quelque chose a changé dans ce pays. Qu'il aille voir les déplacés, qu'il aille voir toutes ces personnes qui ont connu, qui ont été meurtries dans leur chair pour leur dire la Guinée est une famille. Parce que la Guinée est une famille telle qu'elle est dite, pour moi, c'est une hypocrisie. Tout le monde a vu ce qui s'est passé dans ce pays. Donc, j'ai préféré voir le président commencer, prendre son bâton de pèlerin et sillonner son pays. Et j'ose espérer que dans sous peu de temps, il rectifiera le tir en allant en Moyenne-Guinée, en allant à Sibérie, à Zérékoré, dire à la population « Je suis le président de tous les Guinéens » et qu'on puisse passer à autre chose. Maintenant, par rapport à l'étranger, vous savez, un voyage d'État, un voyage officiel ne s'impose pas. Et nous avons l'impression que tous les voyages que le président a organisés à ce jour, c'est de l'improvisation. Le voyage de la France, pour moi, qu'est-ce qu'on va chercher en France? Il faut qu'on en finisse avec la politique de la main tendue. À la place du président, j'aurais d'abord identifié les besoins et les capacités de nos opérateurs. À partir de là, j'aurais fait les déplacements, sachant, après avoir identifié nos besoins, parce que je n'ai pas besoin d'aller avec mon équipe, avec toute une armada de turiféraires. Non, on va chercher des marchés, on va chercher des moyens. Et donc, il n'a pas fait ce travail au préalable. Pour moi, donc, aller en France, c'est vraiment une visite que j'appellerais faire quelque part du tourisme. Non, je suis désolé. Lorsqu'on va dans un État aussi important que la France, connaissant les besoins, les attentes des Guinéens, ben, ça aurait été pour aller chercher l'expertise et les richesses qui seraient bénéfiques aux Guinéens, mais ce n'est pas aller se promener et revenir. Je suis contre ce voyage. En tout cas, personnellement, si j'étais à sa place, ce voyage aurait pu attendre et je l'aurais fait, comme je vous l'ai dit, dans des termes assez clairs. Ça aurait été pour partir avec mes partenaires, c'est-à-dire les opérateurs économiques guinéens, pour qu'on puisse aller chercher et des moyens et des solutions pour le bien-être généralisé en Guinée. David Yombounon, Chérie FM. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure, après le premier tour, vous avez intégré une alliance et selon vos propos, cette alliance n'est plus d'actualité. Est-ce que dans la perspective des législatives, les alliés d'hier ne risquent pas de devenir des pires ennemis? Merci. Il y a d'abord un préalable que je voulais dire, c'est que lorsque on perd une élection, on se remet en question. Lorsque nous avons perdu cette élection, j'ai proposé ma démission à notre bureau exécutif national. Parce que pour moi, je connais la culture du résultat. J'ai grandi, j'ai baigné, j'ai vécu dans cette culture du résultat. Ayant échoué à l'élection présidentielle, j'ai proposé ma démission. Mais le bureau m'a à nouveau fait confiance et c'est pourquoi je reste encore président de la GECI avec une mission qui est d'obtenir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, il faut qu'on remette les choses à l'endroit. Nous avons fait une alliance au second tour. Nous n'avons pas gagné parce que je ne dirais pas nous avons gagné. Je le refuserai. Donc nous n'avons pas gagné. Donc ce qui reste clair aujourd'hui, c'est que la GECI a retrouvé son indépendance. La GECI est un parti organisé, autonome, qui ne doit rien à personne et qui n'est accolé à personne, encore moins à un autre parti. La GECI fait partie des partis politiques agréés en Guinée et qui a vocation à la conquête du pouvoir. Et soyez sûrs que nous serons présents dans toutes les élections. Maintenant, l'alliance n'étant plus d'actualité, eh bien, la GECI a repris son bâton de pèlerin pour convaincre les Guinéennes et les Guinéens afin qu'on lui accorde la confiance lors de la prochaine élection qui aura lieu très bientôt, que nous souhaitons, comme je l'ai dit, durant ce premier semestre, c'est-à-dire avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée.
Nous ne craignons pas d'être ostracisés ou d'être attaqués, non. Si demain la réalité politique nécessite que nous fassions une coalition, une nouvelle, avec d'autres partis, pourquoi pas? D'ailleurs, je le souhaiterais. Parce que le mal de ce pays, c'est qu'on a toujours varié d'un côté. Ce pays a besoin de contre-pouvoir. Ce pays a besoin de garde-fous. Et je pense que si demain, l'opposition n'est pas capable d'avoir la majorité à l'Assemblée, eh bien, vu les dérives dictatoriales auxquelles nous sommes déjà confrontés en si peu de temps, ça pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Donc, nous aviserons le moment venu s'il faut qu'on aille avec d'autres pour la conquête de la majorité absolue, voire, en tout cas, avoir une force représentative au sein de l'Assemblée qui nous rendrait incontournable. C'est moi, camarade, la Radio Atlantique FM. Monsieur le Président, je voudrais connaître la vision de la GECI par rapport à l'actualité brûlante africaine en général, la Côte d'Ivoire et la Libye en particulier. Il y a un autre élément que je regrette, c'est qu'encore une fois, la Guinée est absente de la diplomatie. La Guinée est absente du concert, comme on le dit si vaguement, des Nations Unies. La Guinée est toujours absente. Nous n'avons pas encore entendu la voix de la Guinée. Les premières déclarations du président m'avaient laissé sur ma faim en disant qu'il avait trop de problèmes chez lui et qu'il n'avait pas le temps de s'occuper d'eux. Ce n'est pas le discours d'un président, d'un chef de l'État. Un président doit savoir que la campagne électorale est terminée, doit savoir qu'il n'appartient plus à un parti, mais qu'il représente une nation. Donc, que se passerait-il si demain la Guinée avait des problèmes? Que se passerait-il si les autres disaient que ce n'était pas leur problème? Non. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire nous préoccupe, nous intéresse et nous regarde. Parce que c'est un État frontalier et puis c'est un État africain. La GECI a une politique guinéo-guinéenne pour redresser l'économie de ce pays, mais aussi une vision panafricaine afin que nous soyons le fer de lance de la construction africaine. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire me désole à plus d'un titre, parce que la Côte d'Ivoire était bien partie sous Oufouette. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a énormément d'interférences et d'ingérences. Vous savez, dans le cas de la Guinée, je dirais qu'il y a eu deux poids, deux mesures. En Guinée, nous avons une CENI qui a proclamé l'arc-en-ciel en tête, les résultats provisoires. Une Cour suprême qui est venue confirmer les résultats, sans prendre en compte tous les griefs que nous avions relevés. Il y avait plus d'une voiturette de documents que nous avions émis. Mais comme nous sommes des patriotes et des démocrates en l'âme, nous avons accepté les résultats. Nous étions en droit de refuser de reconnaître les résultats de la Cour suprême. Et je crois que là, il faut quand même, quelque part, vraiment reconnaître à notre alliance son sens, sa grandeur d'esprit et aussi sa vision. Parce que nous savions que le pays aurait baigné dans son sang. Il n'y a qu'en Guinée que quelqu'un qui a eu 44%, qui se met avec le faiseur de l'eau, qui crée une alliance qui est aussi autour des 65% et qui perd la même élection. Eh bien, nous l'avons accepté. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Nous avons une série qui a dit c'est Ouattara. Une cour constitutionnelle qui vient dire c'est Bagbo. Donc, on nous reproche de ne pas avoir des institutions fortes. Maintenant que nos institutions fonctionnent tant bien que mal, on dit non, non, non. Dans le cas de la Guinée, la Cour suprême a bien fait, mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, la Cour constitutionnelle a mal fait. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, je souhaite que vraiment la paix s'installe dans ce pays. Je souhaite que les deux s'assoient. Parce qu'il n'y a que à travers le partage du pouvoir qu'on peut apaiser les rancœurs, qu'on peut permettre à ce que le pays se lève comme un seul homme et se donne la main. Donc, j'ose espérer que les armes vont bientôt se taire et que le dialogue va prendre le dessus pour le bien-être de tous les Ivoiriens
et aussi pour le bien de la sous-région et de l'Afrique en général. C'est la Libye. La Libye, vous savez, nous avons un président, en l'occurrence le colonel Kadhafi, qui a souvent été le terroriste international, l'homme de paix, le pourvoyeur de fonds. En tout cas, il a réussi vraiment à se frayer un chemin dans la tumulte de la politique internationale. Je n'accepterai jamais et je n'ai pas accepté en Guinée qu'on tire sur sa propre population. C'est quelque chose qui est inadmissible, qui est inconcevable dans une société civilisée. Et pour moi, selon la GSI, tout responsable politique qui s'en prend à sa population se devrait d'être démis ou de démissionner. Donc ce qui se passe en Libye aussi est triste. J'ose espérer que, pas la communauté internationale, mais que les Libyens se lèveront comme un seul homme pour dire ça suffit. Comme ça s'est passé en Tunisie, comme ça s'est passé en Égypte, et comme je souhaite un jour que ça se passe en Guinée, non pas qu'on se lève sur des bases ethno-stratégiques ou des bases de manipulation, mais que la jeunesse guinéenne se dise, ça suffit. Voici ce que nous voulons. Quiconque ne le fera pas, eh bien, nous l'écartons d'une voie façon pacifique. Il ne suffit pas de bomber son torse face au fusil ou de procéder à la casse. Il suffit simplement de vous mettre ensemble, de vous mettre d'accord. Parce qu'au-delà du repli identitaire, au-delà de l'appartenance ethnique, vous, jeunesse de Guinée, vous avez les mêmes problèmes. Que vous soyez peu malinqué, guerrier, sous-sous, vous avez les mêmes problèmes face au chômage endémique des jeunes, face à l'habitat, face à l'emploi. Mais mettez-vous ensemble et ensemble. Vous êtes la majorité de ce pays. Si vous vous accordez sur l'essentiel, c'est-à-dire que tous les Guinéens pensent que leur avenir est en Guinée, je puis vous assurer que à la tête de ce pays, il n'y aura qu'un président consensuel et au niveau des instances dirigeantes, il n'y aura que des personnes que vous aurez élues. Tant que la Guinée n'aura pas vraiment, ne se sera pas parlé, ne se sera pas mis d'accord sur l'essentiel, le mot est important, sur l'essentiel, on peut être divisé. Regardez en Côte d'Ivoire. C'est Bédié qui avait fait la guerre à Ouattara. Aujourd'hui, ils sont dans le même camp. C'est Gbagbo qui était avec... ils sont ensemble. Donc, en politique, rien n'est impossible. Mais vous, jeunesse de Guinée, vous devez vous dire, ça suffit. Il faut vous mettre ensemble afin que les choses changent. Pour ce qui est de la Libye, j'espère que les Libyens vont s'accorder à prendre leur destin commun en main et qu'on en arrête aux ingérences et tout ce qui s'en fait. Lors de la dernière visite d'État du président de la République en France, il déclarait dans une radio qu'il souhaiterait organiser un nouveau recensement avant d'aller aux législatives. Qu'est-ce que ça vous dit ? Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions dans la même transition. Nous avons élu un président suite à une liste électorale. S'il estime que cette liste électorale est mal faite, ça veut dire qu'il est mal élu. Et donc, la liste électorale que nous avons utilisée pour la présidentielle, elle sera la même pour les législatives. Il n'est pas question qu'on fasse un nouveau recensement. Et nous le refuserons et nous nous opposerons. Monsieur le Président, vous venez de dire en tant que leader politique que vous allez vous battre pour que les élections législatives aient lieu dans le délai imparti. Mais il n'y a que les partis de l'opposition évoluent en rang dispersé. Et qu'est-ce qui peut être contrepoint pour que les élections aient lieu rapidement sans l'implication de la communauté internationale? Et la deuxième question, au-delà de votre inquiétude et de votre amertume par rapport aux 100 jours du professeur, qu'est-ce qui a retenu votre attention en ce qui concerne la satisfaction de la population? On a l'impression que l'opposition va en ordre dispersé aujourd'hui. Je puis vous assurer que ce n'est pas le cas. Les alliances ont éclaté. Maintenant, chacun se recentre autour de son parti
pour essayer de voir dans quelle mesure ce parti peut évoluer. Donc, pour ce qui est de la GSI, nous sommes aujourd'hui autonomes, indépendants, nous ne sommes accolés à personne et nous essayons de nous donner les moyens d'arriver à nos fins. Mais ces moyens, si demain ces moyens sont en corrélation, sont en nécessité d'aller vers d'autres partis, et je le souhaite, et pourquoi pas, on créera des coalitions afin que nous puissions être forts ensemble. Donc pour l'heure, nous ne pouvons pas dire que l'opposition est divisée. Pour l'heure, c'est chacun pour soi, et j'ose espérer que le moment venu, eh bien, ce sera un pour tous, tous pour un. Je le souhaite. Maintenant, par rapport à la deuxième question, bon, c'est vrai qu'on en avait parlé, mais je crois que préciser votre question, parce qu'elle est un peu différente de la précédente, précisez-la à nouveau. Vous dites que vous êtes inquiet et puis vous avez exprimé votre amertume. Il n'y a pas que le côté négatif. Certes, peut-être il y a un point qui a attiré votre attention de façon positive. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans la balance, ce qui est négatif, bon, totalement, ce qui pourrait être positif. Il y a quelques jours, le ministre de la Justice a organisé les états généraux de la justice. Eh bien, ça, c'est une mesure extraordinaire. Et j'eus préféré que, dès l'installation du gouvernement, qu'il y ait des états généraux de la jeunesse, les états généraux de la santé. En tout cas, c'est le projet que nous avions. Mais nous avons eu un séminaire gouvernemental, non pas pour proposer, mais pour identifier les problèmes. Mais tout le monde connaît les problèmes guinéens. Donc, attendre d'être au pouvoir pour identifier les problèmes, mais c'est grave. Donc, ces états généraux de la justice, pour moi, c'est un point positif en fonction du contenant. Mais j'ai été déçu par le contenu. Parce que ce pays a besoin de justice. On parle beaucoup de réconciliation. Mais on parle de pardon. Mais le préalable à tout ça, c'est d'abord la justice. Et quand on m'a parlé des états généraux de la justice, je me suis dit, ah, voici un ministre qui va prendre le problème à bras le corps, qui va vraiment inscrire dans sa politique les droits de l'homme, la protection, la liberté de la presse, l'abolition de la peine de mort, etc. Mais rien de tout ça. Donc, franchement, je suis au regret de dire que 100 jours après, je reste sur ma faim, mais je ne suis pas désespéré. Je suis inquiet, mais je ne suis pas désespéré. Parce que nous avons des compétences et je crois qu'une personne intelligente qui sait qu'elle fait fausse route, le plus souvent rectifie le truc. Monsieur le Président, vous avez répondu, nous revenons à la question des législatives. Récemment, le Président de la République a affirmé, je cite, « Je n'ai signé un contrat avec personne pour organiser les élections dans 6 mois. » Fin de citation. Il met en avant le recensement de la liste électorale, mais aussi le problème qui assaille la CENI, notamment la recherche d'un leadership au sein de la CENI. Donc, comment faire la justice? Le président de la République a juré sur une constitution. Et cette constitution régit le fonctionnement de l'État. Donc, il ne peut pas dire qu'il n'a pas signé de contrat avec personne, non. Il est tenu par la constitution. Il a été élu, si j'ose dire, par les Guinéens, eh bien, il est tenu par la Constitution. Maintenant, par rapport au recensement, nous le refusons. C'est encore une façon de faire durer la transition ou de gagner du temps. Quant à la CENI, tout le monde sait qu'elle est gangrénée par des intérêts partisans et politiques. Eh bien, je pense qu'on peut, quitte à la réorganiser, c'est très facile. Quitte à la faire chapeauter par un organe collégial, mais je pense que ce n'est pas un handicap pour aller vers les législatives. Je puis vous assurer que les délais impartis peuvent être respectés. Mais en tout cas, je tiens aussi à préciser que le président est tenu par la Constitution. Maintenant qu'il ne soit pas tenu par un parti, j'aurais souhaité l'entendre dire ça. Je suis surpris que jusqu'à présent, le président Alpha Condé n'est pas démissionné de la présidence du RPG. Je souhaite qu'il le fasse au plus tôt, afin de ne pas être l'otage
de ce parti qui est en train de mettre à mal les actions gouvernementales, qui est en train de plomber le changement tant crié sur tous les toits. Donc l'une des premières mesures qu'il aurait dû faire, et s'il dit qu'il ne veut pas être tenu par quelque chose, ça aurait été de démissionner de la présidence du RPG. Là, j'aurais applaudi les deux mains, mais dire qu'il n'a pas de contact avec quelqu'un, non, il est tenu par la Constitution. Monsieur le Président, quel commentaire faites-vous de la résiliation du contrat Jetmar et son octroi annulé? Encore une fois, ma réponse entre dans le cadre de la balance qui fait, qui élimine de facto le côté positif qu'on pourrait relever. Vous savez, je suis attristé et j'ai peur parce qu'une telle décision met à mal la crédibilité de notre État. Vous savez, s'il y a un maître mot qui régit le droit international et qui peut permettre à des investisseurs de se sentir en confiance, qui devenir dans un pays, le mot, c'est la confiance. Il faut avoir confiance en un État, en ses textes, avant même ses hommes, pour oser s'y aventurer. Dans le cas présent, l'État a tout fait. J'ose espérer que ça ne va pas nous coûter des déboires. On ne peut pas transformer un marché suite à un appel d'offres et on le balance de gré à gré. C'est-à-dire que juridiquement, c'est impensable, à plus forte raison politiquement. La GSI regrette cette décision et cette décision dans la mesure où ce n'est plus un appel d'air qu'on attendait avec un président nouvellement élu, des institutions qui vont se mettre en place. Non, c'est la crainte que ça va occasionner. On ne peut pas prendre des décisions unilatérales telles que celles que vient de prendre le président de la République. C'est dramatique et inadmissible à la fin. Dans le cas d'espèce, la GSI aurait été là. Comme je vous le disais, il y a toujours du positif. Le fait de renégocier les contrats, c'est positif. Nous l'aurions fait. La GSI le réclame. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une configuration de gagnant-gagnant. Win-win. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas être le premier exportateur, par exemple, de bauxite et être un peuple malheureux. Le Botswana, qui est au sixième rang mondial, l'éducation et la santé sont gratuites dans ce pays. Nous sommes premiers exportateurs mondiaux. Et nous sommes pauvres. Donc, renégocier les contrats, vous voyez tous comment ça se passe au niveau de la téléphonie mobile. Il n'y a qu'en Guinée que les Guinéens se promènent avec 3-4 téléphones. C'est inadmissible. Lorsqu'on signe une convention, il y a un cahier des charges qu'on se doit de respecter. Il y a aussi un suivi. Donc, aujourd'hui, dans le cas de Jetman, nous aurions discuté avec Jetman. Voilà, nous venons de prendre le pouvoir, nous ouvrons les dossiers. Et à partir de là, on discute. On ne décide pas unilatéralement, on discute. Voici où nous en sommes, voici où nous aurions dû en être et discuter. Parce que derrière Jetman, c'est des centaines d'emplois. Derrière Jetman, c'est une manne financière. Derrière Jetman, c'est la crédibilité de l'État. On s'assoit, on discute. En cas de désaccord, eh bien, c'est un nouvel appel d'offres qu'on fait. Et ce qui était vrai il y a quelques années, en 2008, à l'époque, il fallait être téméraire pour venir investir en Guinée. On allait vers l'inconnu. Eh bien, ce qui était vrai à l'époque ne l'est pas aujourd'hui. Et c'est sûr que si on avait fait un nouvel appel d'offres, eh bien, on aurait peut-être décuplé ce montant. On a vu comment ça s'est passé au Sénégal avec Dubaï. On a vu comment ça se passe partout. Un appel d'offres. Et aujourd'hui, avec un président nouvellement élu, des institutions qui se mettent en place, c'est une nouvelle donne. Là, tous les investisseurs sont revenus. Mais non, non, on prend et on refile à quelqu'un. J'ose espérer, en tout cas. En tout cas, c'est une faute politique de la part du président. C'est une erreur politique de la part du gouvernement. Et j'ose espérer que rien n'est perdu, parce que la Guinée risque d'y perdre
toute sa crédibilité et peut-être son âme. Ma question porte sur le pouvoir de plus en plus important que prennent les coordinations nationales, les coordinations régionales, plutôt dans la prise de décision au niveau de l'État. Vous, quelle appréciation vous en faites? Est-ce que vous pensez que c'est une façon idéale de gérer le pays, ou c'est un facteur de division pour sortir d'une élection dont tout le monde sait qu'elle a été très, disons, communautaire au fond? Merci. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aurais aimé voir le président de la République démissionner du RPG, de la présidence du RPG, afin de ne pas être l'otage du parti qui l'a amené au pouvoir avec bien sûr d'autres dans l'alliance arc-en-ciel. Nous avons vu ce qui s'est passé pendant la campagne du second tour avec les coordinations régionales. J'ai vu des images à la télévision qui m'ont fait froid dans le dos. J'ose espérer que nous allons rendre à César ce qui est à César. Il faut que les politiciens ne s'occupent que de politique. Il faut que les syndicats ne s'occupent que de l'intérêt des travailleurs. Il faut que les religieux ne s'occupent que de ce qui concerne la religion. Aujourd'hui, cette confusion des genres nous a mis face à des religieux politiciens, à des coordinations qui se sont impliquées dans le choix, dans la pression. Aujourd'hui, moi aussi, en tant que ressortissant de la Basse-Côte, j'ai des ambitions. J'ambitionne de prendre le leadership de la Basse-Côte. J'ambitionne de faire de la Basse-Côte une coordination importante, dans la mesure où la Basse-Côte connaît une transversalité ethnique. J'imagine que vous tous qui êtes dans cette salle, vous êtes des basse-côtiers. Il y en a qui ne connaissent même pas leur région d'origine. Et donc, j'ambitionne de faire de la Basse-Côte la coordination la plus importante de Guinée, parce que c'est la plus tolérante, c'est la plus transversale, et c'est aussi la base électorale la plus importante. Ça suffit qu'on prenne la Basse-Côte comme simplement comme un arbitre qui doit basculer à gauche ou à droite. Non. Donc j'ai cette ambition de prendre ce leadership. Mais ça n'a rien à voir avec des dictats, avec des imposés, avec des pressions. Ça n'a rien à voir. En tant qu'homme politique, je veux densifier le mouvement qui m'a placé à sa tête et massifier la GSI afin de pouvoir un jour diriger ce pays. Mais la coordination et la politique n'ont rien à voir. Donc j'ose espérer que ces coordinations vont être restées dans la société civile. C'est pourquoi en ce moment, au sein de la GSI, il y a le débat par rapport aux forces vives qu'on veut réactiver. Nous n'appartenons pas aux forces vives. Et nous pensons que ce qui était vrai il y a quelque temps au niveau des forces vives ne l'est plus aujourd'hui. Parce que les forces vives, à l'époque, tout le monde devait se mettre ensemble contre la volonté de la junte militaire de rester au pouvoir ou de se présenter à l'élection. Mais ce n'est plus la même réalité aujourd'hui. Donc la donne a changé. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut éviter de politiser le débat, de politiser les syndicats, de politiser les coordinations et tout ce qui s'ensuit. Donc nous pensons qu'il faut que chacun reste à sa place. Le politique s'occupe de politique, ainsi que les syndicats s'occupent des travailleurs, ainsi de suite. Donc je regrette cette implication vraiment exacerbée des coordinations et je souhaite dorénavant que chacun reste à sa place afin qu'on ait ce qu'on appelle un état normal. Parce qu'on n'est toujours pas dans un état normal. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai encore vu une scène qu'on ne peut voir qu'en Guinée, un président de la République reçu au bas de la passerelle par son chef de cabinet. C'est-à-dire, j'ai l'impression dans ce pays qu'on marche sur la tête. Un état normal doit avoir une forme de fonctionnement régalien qu'il faut respecter. Donc j'ose espérer que les coordinations resteront à leur place et que chacun animera la vie de la cité selon les responsabilités qui lui sont dues ou imparties.
choix en soirée de la radio Horizon FM. Moi, je voudrais savoir ce que vous inspire la situation économique actuelle de la Guinée, avec une inflation que le gouvernement n'arrive toujours pas à contrôler. Il y a certes des mesures qui ont fait beaucoup de bruit, mais qui ne portent toujours pas. Et votre avis par rapport à la vente du lit par le gouvernement? Merci. Mais encore une fois, je dis que l'intention était bonne, mais c'est les moyens mis à disposition qui font aujourd'hui que je ne suis pas d'accord. L'une des premières mesures que le président aurait dû prendre et que nous souhaitons qu'il prenne, c'est l'homologation des prix des denrées de première nécessité. On a l'impression que ce gouvernement est en train de parler de moyen et de long terme. Mais bon, ça, on est dans le court terme. On ne peut pas passer directement au moyen terme. Où est l'eau? Où est l'électricité? Comment ménager le panier de la ménagère, si j'ose dire? Comment insuffler un nouvel élan? Comment faire croire aux Guinéens que quelque chose a changé? Que l'État se désengage. Partout ailleurs, l'État se désengage de plus en plus. Eh bien, nous avons en Guinée un État qui veut s'occuper de tout. Un chef de l'État qui s'occupe de tout. C'est inadmissible. L'État a sa fonction. Restaurer l'autorité de l'État, ce n'est pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Créer des milices pour aller racketter, réquisitionner, obliger les gens qui ont mis leur sueur et leur argent dans le commerce pour leur dire, voilà, à compter de maintenant, c'est ainsi que ça se passera. Que l'État aille jusqu'à se transformer en commerçant, mais je me demande dans quel état nous sommes. Ce n'est pas le rôle de l'État. À la place du président, eh bien, j'aurais été vers les opérateurs. Voilà la nouvelle donne, voilà la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Combien vous coûte le riz que vous amenez? Défiscaliser, essayer d'orienter, essayer de les aider afin d'augmenter les quantités. Mais pas que l'État se substitue au privé dans un pays où le chômage endémique est terrible. Pour venir dire, voilà, à compter de maintenant, le sac de riz sera. Qu'il le fasse, ok, mais pendant combien de temps ça va durer? Est-ce que ça pourra être pérenne? Non. Donc, c'est une erreur politique, encore une fois. Et à côté de ça, on crée des milices pour aller racketter, pour aller menacer. Et puis, sans concerter les techniciens de la haute finance, tels que les cadres de la Banque centrale, on ferme les bureaux de change. Mais quelle est la famille guinéenne qui n'attend pas son petit mandat par mois? Quelle est la famille ici qui se suffit à son salaire? On ne se rend même pas compte qu'on est en train de créer un drame. Je suis d'accord pour réorganiser, pour rééquilibrer, mais il faut éviter les dérives dictatoriales telles que celles que nous voyons en ce moment. Les commerçants ne sont pas la cause de nos malheurs. Les gambistes ne sont pas la cause de la chute de notre franc. Le franc repose sur la santé de l'économie d'un État. Lorsque cet État, lorsque cette économie est par terre, eh bien, sa monnaie aussi glisse, comme le disait l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Donc, on cherche des boucs émissaires à défaut de trouver des solutions. Eh bien, les solutions sont là. Les cadres sont là. On n'a qu'à faire en sorte de réconcilier les Guinéens entre eux et de dire la vérité. Quiconque dit qu'il peut donner l'électricité à la Guinée en 3 mois, c'est faux. Mais la GECI à la tête de ce pays, en 3 mois, aujourd'hui la Guinée serait électrifiée. Parce qu'il y a des solutions. Il y a des barges aujourd'hui, par les Turcs, par les Chinois. Créer des solutions transitoires afin que le Guinéen puisse avoir le courant, ne serait-ce que 12 heures sur 24 heures. Afin que le jeune métallurgiste qui a un carnet de commandes puisse respecter ses délais. Afin que les gens ne soient pas obligés de travailler que la nuit. Parce que l'économie fonctionne le jour. La nuit est faite pour se reposer. Donc il faudrait qu'on sache que tout est possible. Aujourd'hui, le gouvernement donne des solutions de moyen et long terme. Mais personne ne parle de court terme.
Eh bien, dans le domaine de l'électrification, c'est une idée que je donne au ministre de l'Énergie, eh bien, il y a les barges. On peut mettre une barge à Boulbiné et électrifier tout Conakry en 24 heures. C'est possible. Ce sont des solutions transitoires, le temps de faire le travail. Et je pense, dans notre cas, que nous pouvons faire ce travail parce que les seuls poteaux illuminés en Guinée aujourd'hui, c'est le solaire. Eh bien, aujourd'hui, on peut électrifier la ville très rapidement. Ce soleil, si les Blancs avaient ce soleil, il n'aurait pas été créé des centrales, il n'aurait pas été fabriqué la chaleur. Nous, Dieu nous a dotés de cette chaleur avec laquelle nous pourrions vraiment investir dans les énergies renouvelables. Mais non, eh bien, je pense qu'il est possible, en si peu de temps, d'électrifier la ville, d'électrifier les rues, d'électrifier le pays en attendant des solutions, surtout à long terme. Pourquoi ne pas privatiser? Parce que tout le monde connaît les problèmes qu'il y a en Guinée pour les factures, pour les adresses, etc. Pourquoi ne pas créer le système d'abonnement pour l'électricité à domicile? Mais d'abord, électrifier la ville, c'est quelque chose qui était possible. Donner de l'eau, c'était possible. Il suffit d'ouvrir les vannes. Vous savez, quand vous arrivez au pouvoir, il faut toujours des actes forts, des actes qui puissent redonner l'espoir. Eh bien, aujourd'hui, 3 mois après, je pense que ce gouvernement a tué l'espoir. Mais rien n'est perdu. J'espère qu'à travers une opposition constructive, à travers des contre-pouvoirs, eh bien, nous l'obligerons à se mettre au travail. La semaine dernière, j'avais eu à ouvrir une boîte de presse animée par le président de l'IDPG, Ati Kouba, qui disait que la position fragile de CNT ne permet pas cette institution vraiment de lever le ton pour voir la recouvrer la République. Et quelqu'un d'autre a demandé est-ce que c'est pas ce qui fait que le président reste fort. Alors, à quand élever le barrage de la République? Oui, je vous ai dit, le CNT c'est une usine à gaz. Le CNT est pire que la CIM. C'est une organisation pléthorique de gens qui ont des compétences diverses à qui on demande de légiférer. Et donc, plus tôt on installerait l'Assemblée nationale, et mieux ça vaudrait pour vraiment créer ce qu'on appelle le fonctionnement des institutions. Et pourquoi pas, dans l'entendement de l'opposition actuelle, avoir un contre-pouvoir qui puisse être face au gouvernement et au président de la République. Monsieur le Président, dans ces cas-là, est-ce que c'est valable que CDS ne fonctionne pas avec un sens qu'on n'a pas une manifeste du pouvoir? Parce qu'on sait que, par exemple, cette institution est à la tête aujourd'hui de la classe politique qui est vraiment en silence. Vous savez, j'ai dit que ce CNT est une usine à gaz. Regardez le discours programme du Premier ministre. Ça n'a pas été fait dans les délais impartis. Regardez les premières dérives du président de la République. Les dérives anticonstitutionnelles. Lorsqu'il a fallu enlever le médiateur de la République, le président de la CNC, les organes communaux, ce n'est pas au président de le faire. Mais qui a entendu le CNT dire « Attention, Monsieur le Président, ce n'est pas votre attribut ?» Personne. Eh bien, plus tôt on en finirait avec ce CNT, mieux ça vaut. Monsieur le Président, les 100 jours du professeur nous a combien de circuler. Vous venez de dire que le bilan qu'on peut tirer de ça, c'est que le bilan est inquiétant. En tant que leader politique, avez-vous des propositions à faire au professeur Alpha Condé et à son gouvernement pour redonner la confiance aux Guinéens? Monsieur le Président, bonjour. Plaise au nom du journal Le Vérificateur. J'aimerais savoir quelle serait votre position si aujourd'hui vous étiez appelé à rejoindre le gouvernement. Youssouf Diallo, journal de la République. Monsieur le Président, vous dites que la CENI ne représente pas un obstacle pour aller aux législatives. Cependant, du point de vue de certains opposants, la constitution même de cette CENI pose problème aujourd'hui. Qu'en êtes-vous? Monsieur le Président, bonjour, c'est Alpha Boubacar Diallo de la radio Samaria FM. Dès le premier jour de l'élection de la prise de pouvoir du président Alpha Condé, il avait tendu une main à l'opposition.
Et jusqu'à présent, on constate qu'il n'y a pas l'implication de cette opposition dans le gouvernement pour la gestion de la destinée de ce pays. Peut-on dire que c'est un refus ou bien vous avez déjà des analyses par rapport à cette mentalité? Je souhaiterais que le président démissionne d'abord du RPG, de la tête du RPG. Il est devenu le président de tous les Guinéens et donc qu'il ne soit pas l'otage de ce parti qui a aujourd'hui la même mise sur le fonctionnement du gouvernement. Tout le monde le sait. Je souhaiterais aussi que l'on mette en place les états généraux de la jeunesse. Moi, je suis entré en politique en Guinée pour la jeunesse. Si j'ai abandonné tout pour venir, c'est parce que j'ai envie que cette jeunesse me porte au sommet et que mon nom reste un jour assimilé à la jeunesse guinéenne. Vous savez, j'aime souvent dire que lorsque les Américains ont voulu créer les États-Unis, ils ont créé l'esclavage parce qu'ils n'avaient pas cette force de travail dont dispose la Guinée. Lorsque les Européens ont voulu construire l'Europe, ils ont créé la colonisation. Aujourd'hui, nous avons cette force de travail en Guinée. Pratiquement 70% de la population. Et nous n'en profitons pas. C'est pourquoi dans la politique de la justice, nous avons mis en place des dispositions qui pourraient faire que grâce à l'auto-emploi, la Guinée pourrait connaître le plein emploi. Le projet de la GSI nécessite que nous soyons 34 millions. Ça veut dire que la marge est grande. Eh bien, si la GSI arrive au pouvoir, eh bien, nous serons obligés de faire appel aux Maliens, aux Sénégalais, etc. Parce que nous ne serons pas assez nombreux pour porter le projet que nous voulons pour notre pays. Je souhaiterais que le président se souvienne vraiment de la façon dont il est arrivé au pouvoir. Il faudrait soulager le quotidien du Guinéen. Le Guinéen a besoin d'électricité. C'est possible en 2 semaines, avec les barges, comme je l'ai dit. Le Guinéen a besoin d'avoir l'eau à sa pompe, parce que c'est honteux de voir que c'est le château d'eau de l'Afrique, que c'est toute l'eau qui questionne en Afrique occidentale vient de chez nous et que nous n'ayons pas d'eau à la pompe. Eh bien, tout ça, c'est possible. Mais il faut qu'il prenne des personnes compétentes. Il faut qu'il arrête d'être l'otage d'une ethnie ou d'un groupuscule ou d'un parti. Qu'il soit le président de tous les Guinéens et qu'il mette l'excellence et la compétence au service de ce pays. Donc, j'espère qu'il va rectifier le tir parce que 3 mois, ce n'est pas pour faire un bilan. C'est pour donner des indications afin qu'ils puissent rectifier le tir. Par rapport au gouvernement, vous savez, nous, avec Jean-Marie Doré, nous en avons la preuve. Eh bien, il n'est plus question qu'on laisse la CENI fonctionner toute seule. Non, si on doit faire appel au MATA, à la CENI, ou même à une organisation internationale, pourquoi pas. Mais le plus important, c'est d'en finir avec cette transition et que ces élections aient lieu avant le 1er juillet. Maintenant, la main tendue, c'est vrai. Pendant l'élection présidentielle, nous l'avions dit. Nous avions dit que nous allions mettre le président de la République actuelle à la tête d'une de nos institutions. Parce qu'il a combattu pour ce pays. Mais nous avions pensé aussi faire appel à certaines compétences de l'Alliance arc-en-ciel. Parce qu'on voulait une Guinée qui se mette ensemble. Mais les premiers actes posés ne vont pas dans ce sens. Donc j'espère que la main tendue dont il avait parlé à l'époque n'est pas en vain mot. Parce qu'il n'y a pas eu de main tendue en fait. Parce que pour dire que je tends la main, il faudrait déjà qu'on sache ce qu'il y a dans cette main. Voilà. Et donc pour nous, ça a été de simples propos. Donc il n'a pas tendu la main. Eh bien, ce pays aurait eu tout à gagner à travers le partage du pouvoir. Ce pays aurait tout à gagner à travers une composition multipartite et multiethnique. Eh bien, ce n'est pas le cas. J'ose espérer que rien n'est perdu. Vous savez, on peut défaire un ministre comme on peut aussi défaire un président. Donc nous sommes là dans l'opposition. Nous veillerons en tout cas à ce que les choses se fassent pour le bien de tous les Guinéens. Si demain le gouvernement, le président de la République pose des actes crédibles, sanitaires,
soyez sûr que la justice sera la première à saluer de demain, à même à accompagner. Mais nous sommes là, non pas pour casser, non pour réparer. Ce pays a besoin de ce qu'on appelle une politique de réparation sociale. Il y a trop d'injustices, il y a trop d'aigreurs, il y a trop de rancœurs. Eh bien, il est temps qu'on se dise la vérité, qu'on se mette ensemble. La réconciliation, c'est bien beau, mais il faut des actes. Les vœux pieux, les promesses, nous n'en avons plus rien à faire. Nous voulons maintenant des bosseurs, nous voulons des résultats, nous voulons du concret, et nous avons envie que cette jeunesse arrête de penser que l'avenir est à l'heure, que c'est à elle de bâtir une Guinée nouvelle, avec un Guinée nouveau. Et j'ose espérer que si nous ne le réussissons pas avec le professeur Alpha Condé, nous le réussirons avec la CENI, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre patience. Je remercie cette jeunesse qui a pris son destin en main, qui a décidé de se lever. Mais ne décidez pas seulement de vous lever, donnez-vous la main. Arrêtez le cliché du repli identitaire tel que ce que nous venons de vivre pendant les élections. Mettez-vous ensemble parce que vous avez le même destin commun. Vous avez la Guinée en partage. Et je sais que si vous, demain, vous vous mettez ensemble, rien ne pourra vous résister. Dieu sauve la Guinée. J'ose espérer que les lendemains seront meilleurs, que l'inquiétude et le pessimisme ambiant vont vraiment reprendre vraiment des couleurs. Et je vous remercie infiniment. Wunouani, Inike, Ndjarama, Laousse, Wassalam, à bientôt. Merci à vous tous. On va faire la conférence de presse. La mission de la CPI dans quelques minutes.